Bonjour les amis français, aujourd'hui on vole avec un DJI Matrice. Voilà, c'est là. Wow. Vous n'avez pas vu mon lien ? C'est énorme ce truc. Bonjour les amis français, il y a pas mal de temps que je n'ai pas fait une vidéo en français, donc voici le test Rode Wireless Go. C'est ici attaché à moi avec son windshield, je ne sais pas comment on dit ça en français. Et si je touche, je pense qu'on perd un peu d'audio. C'est super facile à clipper sur vous, juste comme ça, et il y a déjà un micro dedans. Donc vous n'avez pas besoin de mettre un micro-cravate pour ajouter. Comme vous savez, je fais la plupart de mes vidéos en anglais, mais quand on a un produit super cool comme Rode Wireless Go, je produis un peu de contenu en français aussi. Donc abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Après, vous allez voir pas mal de tests de Rode Wireless Go. En fait, vous pouvez checker mes vidéos en anglais que j'ai déjà postées sur YouTube. Je pense que vous allez trouver pas mal d'infos sur Rode Wireless Go. Donc, en effet, aujourd'hui, je suis à Genève. Quelqu'un que je connais va voler ce Matrice que je viens de montrer. Je vais tester un peu l'audio et micro. Même il y aura une vidéo en français que vous allez voir. Ça va être super vite et super cool. Je vais comparer avec Video Micro. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas poster vos commentaires. Comme ça, je vais savoir ce que vous allez voir ou ce que vous voulez voir. Comme tout le temps, excusez mes fautes en français parce que c'est pas ma langue natale. Et je pense que je maîtrise pas mal comme je suis en France ou dans des régions françaises. Dans des régions francophones, il y a 2 semaines. Donc, je pense que c'est mieux qu'avant. Merci beaucoup pour regarder ma vidéo. Merci beaucoup pour vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Et s'il vous plaît, postez vos commentaires. Comme ça, je vais savoir qu'est-ce que mon audience française veut voir dans la revue complète de Rode Wireless Go. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.